Salut l'équipe! Alors, petite vidéo pour vous présenter le studio sur lequel on bosse depuis des mois. Alors, beaucoup de boulot, on a eu, quelques petits soucis techniques, etc. Donc ça fait un petit peu de temps, mais on est très fiers de présenter un petit peu ce qui va se passer derrière. Enfin, c'est surtout toi qui as tout fait, hein, Seb. Ouais, faut le dire. Papa et ma maman aussi. Alors merci le papa et la maman de Seb. Attention, on entre. Donc là, on est. Donc là, on est dans la première pièce qui va servir un petit peu de salle de mixage. Donc, on va dire, voilà, quand même de l'espace. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir une machine à café vintage, parce que franchement, qu'est-ce qu'un studio sans machine à café? C'est clair. Et après, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Yeehaw. Voilà, donc on a installé une salle où on va pouvoir mixer. Du matos quoi. On va enfin pouvoir mixer nos maquettes, nos démos et pouvoir répéter dans de bonnes conditions. Donc voilà, là on a commencé à câbler, on a fini ce matin et on a commencé à faire des prises de batterie. Yeah. Donc voilà. Venez, donc la deuxième pièce. Donc là, c'était la pièce La Régis. C'est La Régis. Et là, nous entrons dans le local. Donc dans le local de répétition. Il y a du matos, de l'ampli. Oh, ouais, on voit mon ombre. Ouais, des amplis. Bon, il y a des sachets aussi par terre, fais attention. T'inquiète, là, j'ai pas filmé. C'est le bâtard qui s'est étalé, donc là. La belle batterie, donc des systèmes de wedge, retour au pied, on est en train de tester aussi des pédales. OLX, des claviers, un beau boxon quoi. Donc le but aussi ici, qu'est-ce qui va se passer? Bon, pour montrer un petit peu le retour, on est quand même assez. Ouais, c'est grand. C'est qu'on va aussi pouvoir faire des coupes de live de répétition. Donc à terme, on va avoir pas mal de caméras un peu à droite et à gauche, on va pouvoir filmer tout ça avec des sons un peu plus. Et surtout, on est en train de composer notre deuxième galette. Exactement. Qui sera un album, un EP, on ne sait pas trop encore. Exactement. Mais voilà, on va exploiter ce lieu complètement pour se livrer à cette composition qui est déjà bien engagée, hein, parce qu'on a déjà quelques morceaux. On a déjà quelques morceaux, ça commence à. Mais là, ça va se concrétiser du coup. Ça commence à bien prendre forme, donc on continue cet été, on espère avoir fini toutes nos démos cet été. Et pouvoir commencer nos pré-productions, on va dire, avec tout le matériel à dispo, cet été également. Donc, selon ce qu'on arrive à faire, donc on va sortir 12 EP. Donc 6 titres, si jamais on a 2 6 titres ou un 12 titres? Ou une belle, 12 titres. On sait pas en fait. On sait pas parce que le temps vient, le temps va, donc voilà, donc c'est l'espace de création. Waouh, moi je trouve que ça fait rêver, hein. J'ai hâte. Ouais. Allez, hi-ha! Merci, à bientôt!